Salut YouTube. Est-ce que le record va laisser allu rester allumé? Parce que la dernière fois, en fait, il s'est allumé et il s'est arrêté instant. Bon, là, il m'a l'air d'être parti. Il m'a l'air d'être ok. Donc, Blue Baby, hard pour faire le boss rush, c'est parti. C'est quoi le Trocoop? Ah, je vais répondre à la question avant, parce qu'après, on va être parti. Le Trocoop, c'est un mode qui permet de jouer Isaac en multi, mais pas avec le multi de base. Le multi de base, c'est. T'as des petits bébés coop de merde qui servent à rien. Et le mode Trocoop, c'est vraiment. Chaque personne a son propre Isaac, son propre stuff que tu ramasses et tout. Donc, c'est très cool. C'est un peu bordélique, mais c'est très cool. Ok, donc Blue Baby, c'est parti. Je rappelle qu'on a le caca. Est-ce qu'on peut dire que le coop online de Steam? Ah, ça, j'en ai aucune idée. Alors, je veux pas cet item en fait, hein. Cet item qui me permet d'avoir des coffres rouges plutôt que des coffres autres. Ça m'intéresse pas. Je sais pas si les mods sont compatibles avec le. Bah, en vrai, je suppose que oui. Hein. Tous les jeux sont compatibles avec le Remote Play de Steam, c'est pas exclusif à certains jeux. Si tous les jeux sont compatibles, en vrai, je vois pas de raison pour que ça marche pas. Ouais. Ok. Alors, Blue Baby, ce qui est bien, c'est qu'on commence déjà avec un peu de dégâts. On commence avec 3, un tout petit peu plus que les dégâts normaux. Ok, toujours pas d'item. Mais voilà, vu que c'est le boss rush, il va falloir aller vite. On va quand même essayer de se faire un build un peu correct dès le début. Elle vient là vraiment. Ok, 5 pièces. Tac. Est-ce qu'il y a pas moins qu'on aille à la secret qui est sûrement juste en dessous? J'ai pas de bombe. Ah bah, j'ai des bombes. Bomber Boy, 5 bombes et des grosses bombes. Ah non, c'est. La secret était pas là, dommage. Est-ce que la secret est à droite de l'item pour aller à la cure? Ce serait stylé. C'est pas des grosses bombes, c'est des bombes larges. Ok, nickel, on va pouvoir aller à la curse room, ça c'est nice. Qu'est-ce qu'il y a ici? Deux clés, c'est sympa. Hop. Coffre rouge, des araignées nulles, dommage. Ok. Allez, bah let's go. Bon, le boss, ouais, il va falloir que ce soit un boss pas trop chiant. Parce que là, j'ai rien. Pour l'instant, j'ai rien. Steven, ça va. Il y a un rocher en bas, on va le bomber, on va lui mettre la bombe. Quoi? J'ai pris quoi? J'ai pris une boule? Il m'a tiré dessus? C'est le petit qui m'a tiré dessus, c'est ça? J'ai quand même pas pris l'explosion de là où j'étais, si. Ah si, c'est peut-être l'explosion que j'ai pris. Bon, dommage, c'est bien. Enfin, je crois que j'ai pris l'explosion. J'étais pas assez loin. Une salle d'arcade. Ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas du tout. Ok. Ok. Hop hop hop. Le boss est déjà là. Mais j'ai que deux cœurs bleus, donc des villes deal impossible à prendre. Peut-être je peux explosion. Ouais, ok, ça va. Ah oui, du coup c'est pour ça que j'ai perdu le cœur complet. On a des gold, si on peut trouver le shop, ça pourrait être sympa. Alors cette salle, pourquoi elle existe par contre? Voilà, c'est vrai que j'ai du dommage off, mais en early comme ça, c'est un peu l'enfer, non? Voilà. Et surtout, c'est pas une salle qui va vite. Ok. Ok. Charm of the Empire, c'est nul. On avait dit qu'on voulait le shop. Charm of the Empire, c'est tous les 10 ou 15 ennemis tués, on régène un demi-cœur. Avec vous, baby, ça nous intéresse pas, on n'a pas de cœur rouge. Un cœur bleu. Ok, le shop est là. Ah, plus de bombes, dommage. Allez, 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 décale-toi un peu, s'il te plaît. Ah, c'est un peu long là. Hein. On va mettre 5 minutes pour les deux premiers étages. Ouais, ça c'était un peu con. J'ai vu le rocher.
petite bombe là. Non, une clé. Il y aura peut-être une autre bombe. Non, il y a du curbeau en sol, ceci dit. On va reroll pour trouver une. Mais non, je peux pas reroll. Enfin, si je peux, mais. Même Amiga, c'est bien, mais à mon avis. Ah, même Amiga, ça me permet. Ça me permet de détruire la salle là. Ça, c'est juste pour avoir le cœur bleu en fait. Enfin, pour avoir le rocher, donc c'est vraiment pas terrible. Go en vrai. Ah, c'est un train de faire un étage plus rapidement plus tard aussi. Ouais, on va prendre ça. Non, on va pas l'activer tout de suite, mais ça me permettra plus tard de faire un étage rapidement. On va pas fermer plus que ça, on va go. Avant que l'or me donne deux pièces. Non. Tant pis. Non, non, en vrai, on va l'activer pour. Au secours, au secours. On va l'activer pour. Ah, pas de bombe du coup. Pour faire genre. Non, c'est 20 minutes le boss, c'est 20 minutes. Pour faire Depth 2 plus rapidement, genre. Ou Depth 1, ou Depth XL si on a la chance d'avoir un XL. J'ai bien avoir encore une bombe là pour ce boss. Ça va le faire. Ok, le Devil Beast est bon, de toute façon avec Blue Baby c'est forcément bon. Le chat, enfin le Kato Nightmare, le chat, oh putain, Krampus direct, ça c'est un peu chiant par contre. À moins qu'il me donne Lump of Coal, ça serait vraiment bien. Si je donne tête de Krampus, je suis pas intéressé. Ouais, dommage. Tant pis. Tant pis, c'est dommage. C'est dommage en vrai parce que là on va peut-être partir Godroom et Godroom avec Blue Baby. C'est pas plus mal mais bon. Je préfère les débiles. Ah super, j'ai la gêne. De toute façon avec THP les débiles c'est compliqué. Bah, ça dépend, un pacte ou un The Mark j'aurais pris. Hein. Ça me laissait un demi-cœur mais ça m'ordonne. Ceremonial Robe ça se prenait aussi, Abaddon ça se prend. Même Brimstone, je pense que je le prenais en vrai. Il y a un coffre en bas, je l'ai entendu. Ah, c'est un marron. Une pilule. Bad trip. Ouais, super. Ça, je m'en fous. La salle de challenge, on s'en fout. Là, il y a une carte, on s'en fout. Ok, c'était pas par là, dommage. Ah, il y a une bombe, mais elle n'est pas accessible, malheureusement. Ouais, y'a Jagen. Un pognon. Hop, 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 hop. On va faire une petite salle là-bas. Ok, j'ai raté tous les caca. Un feu bleu, c'est bien, mais j'ai pas de bombe. Un feu shiny. Dommage. On va essayer de la faire péter sur le champi. Petit Magic Mushroom là. J'irai pas non. Ah, voilà. Encore un bad trip, on va la garder. C'est pas par là, dommage. Bad trip, hein, je rappelle, quand vous avez moins d'un cœur, elle se transforme en. Ah, non, elle se transforme en full health, donc en fait, c'est de la SSR que je la garde. C'est vrai que je la garde avec Blue Baby. Y a jamais moyen d'avoir une bombe ou un truc. Ou la salle d'item, peut-être un jour. Make you small. En full health. Ah si, bad trip c'est en full health. Et health down c'est en health up. Quand t'as moins d'un cœur. Parce qu'une pilule peut pas te tuer en fait. C'est HP health down qui se transforme en health up. Ok. Ok, l'item et le shop sont là. Bon, le shop en vrai là on s'en fout un peu. On a encore un cœur bleu en réduc. C'est déjà sympathique. Hein. Le rasoir de maman, c'est nul. C'est complètement nul. Et le shop, on va le tenter quand même. On a des clés d'avance. On a un cœur, mais pas en réduc. Par contre, on peut reroll. Oh, pas reroll, j'ai pas le. Il me faut une bombe là. Hein.
Ah, il y a encore un rocher marqué là. On va faire la dernière salle. C'est pas la dernière. En plus, cette salle elle est nulle parce que le drop va dropper voilà, au milieu, donc je vais pas l'avoir. C'est compliqué. Putain, deux pièces. Bon, deux pièces, ça me fait d'avoir le cœur bleu. Le cœur bleu ou la bombe? Le cœur bleu ou la bombe? On a vu la bombe pour le rocher. Il y a des chances que j'ai un autre cœur bleu dans le rocher, voire deux, donc. Putain, j'avais oublié les grandes explosions. Bah, du coup, on peut faire les deux, ça c'est nice. Vas-y, loot 5 pièces, toi. Ah oui, mais du coup, non. Du coup, la grosse bombe. C'est pas comme si je venais de le dire en plus. Ouais, les grosses bombes. Hein. Bah, il y avait ça sinon. J'aurais pu tenter. Gurdit, c'est mort. Oula! Pourquoi il a tiré de ce côté? Je sais pas. Le rasoir ça tourne autour de moi et quand ça touche un ennemi ça lui fait le fait saigner. Donc ça lui inflige X% de ses dégâts, enfin de ses PV max, enfin 10% de ses PV max toutes les secondes, enfin je sais pas. Les valeurs ne sont pas contractuelles. Je les connais pas mais en gros c'est pas terrible. Ça protège pas des projectiles, enfin en tout cas je crois pas. L'Angel Room donc. Oula! Il y a de quoi faire. Alors attends, on va regarder tout de suite pour le rasoir. C'est 20% de damage par tick. Voilà. 50 secondes de. Ouais, ça tue un ennemi en 50 secondes. Ah, ça scale sur mon dégât, ça veut dire? 20% de damage par tick. Et qui ajoute du saignement. Et le Ah non, c'est le saignement qui tue. Ouais. Bon, j'ai pas l'impression que ce soit la folie. Hein. J'ai l'impression que ce soit la folie. Alors, Holy Mantle, Atamé, le vol j'aime bien. Le vol j'aime bien, la mitre j'aime bien aussi. Holy Mantle est craqué, of course. Atamé, enfin non, la Spear of Justice c'est pas thème. En vrai, Holy Mantle, ouais. Je me tâte un peu, mais le vol est pas mal aussi, hein. Holy Mantle, c'est un coup gratuit par salle, mais dans l'objectif d'un boss rush, est-ce que je préfère ça ou... Le vol pour aller vite, vraiment, ça me tente bien. En run normal, j'aurais pris Holy Mantle, mais là, pour le boss rush, je pense que je vais prendre le vol. Et le cœur bleu, du coup, il y a un cœur bleu avec le vol. Ouais. Je vais faire ça. Et ouais, en fait, le problème de Holy Mantle, c'est que ça va me servir qu'une fois pour le boss rush. Donc voilà. Non, je pense que l'Holy Call, c'était le meilleur call. Curse of the Blind, ah. Ouais, ça, je me suis laissé taper. Voilà, j'ai infligé le saignement à cet ennemi. C'est impressionnant. Bad trip, on s'en fout. Ça, qu'est-ce que c'est? Je décide de payer le demi-cœur pour aller là. C'était nul. Ah bah non, il y a un cœur bleu dans le feu. Et trois pièces, donc en vrai, non, c'était worse. Il y a le cup. Bon. C'est rentable. Ah non, mais j'ai pas les larmes spectrales par contre. Il y a Jiraijan. Oh, c'est snipe là? Les trois larmes coup sur coup. Incroyable. Ça m'intéresse pas. Allez. 1 euro.
Bon, en termes de temps, je pense que je suis ok. Surtout qu'il y a, mais je sais pas pourquoi je vais là. Surtout qu'il y a un étage qu'on va pas faire, puisqu'on a Mama Mega, donc on va le skip. Enfin, pas le skip, on va devoir le faire quand même, mais on aura pas besoin de faire toutes les salles. Donc, ok, ok. Donc, en vrai, 11 minutes, enfin 12 minutes, c'est correct. Hop là, le saignement. Ah, il prend cher, là, il prend tellement cher là. Voilà, là, il est mort. Ça, c'est grâce au saignement. Voilà, bombe dorée, c'est nice. Oh, putain, surtout qu'elles sont énormes. Alors, ce sale, par contre, personne ne l'aime. Hein. J'ai tué au rasoir, c'était pour ma commu. Oh là là, le rasoir. Je suis un joueur rasoir, c'est bon. C'est bon, je me suis reconverti. Oh là là, paf. Le dot. Je suis un fiche du dot. Incroyable. On va bomber la porte pour cette salle. Oui, j'aurais pu, c'est vrai. J'y pense jamais, moi, à bomber. J'y pense quand c'est la merde, j'y pense pas quand c'est lent. Oh là. Un petit cœur bleu là. Non. On va se garder cette pièce quand même pour un shop. Ouais, bonjour. Allez, allez, allez. Ouais, surtout que là j'ai bombé infini, donc en vrai ouais, je pourrais carrément rush l'étage. Mais je suis pas en. Comme j'expliquais, je suis pas en galère en termes de temps, donc je pense qu'on peut. Ouais, on n'est pas obligé d'aller si vite que ça. La Pokéball pour attraper des ennemis, c'est nul. C'est clairement nul. Ok. 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 Ah mais c'est blind alors, c'est chiant. Petit système en sol là. Non, un cœur blanc en sol par contre. Un autre cœur blanc seul. Ah le crack d'ice c'est sympa, le crack d'ice c'est sympa, est-ce qu'on peut avoir une pièce par pitié quelque part? Et le boss toujours pas trouvé. Oh là là, le dot. Ok. L'item en solde aussi. Oui je l'ai vu l'item en solde, mais je sais pas si je préfère pas m'assurer un truc bien avec le dice yard. Que de gambler un item au pif, je sais pas. Surtout que j'ai que 5 pièces donc on va prendre le dice shard, on va aller reroll la Pokéball là. Hop. L'acryphagie. Ah oui, c'est les larmes qui mangent les larmes. Et qui explosent quand elles sont. Oui, d'accord, c'est ça. Alors qu'est-ce qu'on en pense de ce système? Je sais plus ce qu'on en pensait finalement. Ouais, c'est. Ouais. Ça existe, quoi. Attendez, là par contre, je suis clairement mal placé. Ok. Alors, je pense qu'il faut un peu plus de dégâts pour qu'elle soit un peu plus grosse. Là, c'est un peu nul. Ok, ok. Paf! Un Devil Deal. Devil Deal en blind. Allez. Ça va, ça me va. Ça me va en vrai. Les larmes spectrales, c'est super cool. Du coup, ça me fait regretter de ne pas avoir pris Holy Mantle par contre. Parce qu'on a re-eu le vol. Et Sacrificial Dagger, c'est évidemment incroyable. La dague qui tourne autour de nous qui fait moult dégâts. On n'a pas. D'étage XL. Non, surtout l'arme spectrale en vrai, ils sont cool. Vol plus l'arme spectrale, c'est quand même un combo fort sympathique. Alors, par contre, ça, le jeu devient illisible à cause des petites boules là qui explosent tout le temps. Il y a toujours un truc qui m'arrive dessus, je sais jamais si c'est à moi ou pas, c'est un peu pénible. Ok, ok. Ok. Là j'aurais pu bomber aussi cette porte.
Là où il y a quoi, ça vaut le coup? En fait, je suis pas si bien que ça, hein. Faut que je me dépêche un peu là, en fait, là. Hein. Merde, putain, ça par contre, c'est. C'est con. Faut que je me bouge en fait, là, il me reste 5 minutes, j'avais pas fait gaffe. Merde. Putain. Je suis en le pire là, voilà. Arrête de rush là. L'étage d'après, je le fais avec ma même méga, donc ça ira vite. C'est surtout celui-là qu'il faut. Il faut accélérer. Oh non mais cette pièce là elle est vraiment chiante. Oui parce que là j'ai reroll comme un connard dans le shop et tout mais en fait j'ai pas vraiment le temps de le faire. Ça va le faire. Faut juste que j'ai de la RNG favorable. Et surtout j'ai du T-Rate aussi un jour. Merde! Voilà, je joue vite. Je joue vite et je joue mal. C'est pour ça que quand je disais que le pilote d'Isaac, je sais pas si ça allait être mon truc. C'est exactement pour ces raisons-là. Non! Putain, sur le dernier. C'est jamais la fin? Mais pourquoi j'ai que des grandes salles chiantes? Sans boss, sans item, sans shop, sans rien. Et reski. Allez. Je défrise tout le temps, c'est un peu chiant. Non mais pourquoi j'ai que des grandes salles? Ouais non là je mongolise. Je vais jouer la dague pour aller vite mais. Mais c'est pas possible! Ça prend tant de temps. En plus, je suis en blind, donc je peux pas bomber les portes. Oh là là, non mais c'est vraiment nul. C'est vraiment nul de. Non mais non, pas ça, putain. En plus, il est un peu par là. Bah d'accord, bah c'est raté pour le boss rush. Soit par là. À moins que j'ai la RNG d'une vie. Non mais là, je vois pas comment je peux avoir le boss rush là. Mais il s'arrête jamais en plus. On est où là? Qu'est-ce qui se passe? Mais non, c'est pas un XL. Je crois pas. Non, c'est Lost. Ah bah voilà, c'est bon. Ah, bravo. Il faut y croire. Je bourre. Bah c'était super chiant, j'ai vraiment de mauvaise RNG de l'étage là. Et puis le boss pas trop relou en plus, ça qui est bien. Ouais bah c'est raté, dommage. J'ai l'impression d'être fait voler là. Je vais quand même activer ma méga ici pour voir un peu le temps qu'on aurait mis. Non, je vais pas reset, on va finir la run. On va se dépêcher. Je vais juste voir le temps que j'aurais mis à trouver le boss là. Ouais voilà là ça allait vite. Bon après là je fais tous les mauvais choix parce que. Parce que je sais pas pourquoi mais.
Mais pitié. Ah non, là c'était mauvais angle. Ah mais... Qu'est-ce que tu fous là toi? Il y a des cœurs bleus, des cœurs noirs un peu partout en vrai donc... Putain. C'est pas fini? Oh là là, mais vraiment, je fous le clear même là maintenant? Ouais, je le referai plus tard. Bah, il y a ça qu'il faudra refaire sur le retour. Bah, c'était là, ok. Ouais, donc voilà, j'en ai mis pour 1 minute. J'en avais pour 1 minute, donc si j'ai pas tant perdu de temps sur. Sur les autres étages là, enfin sur l'étage d'avant, bah c'est bon. 1 minute 30 le temps de faire le boss. Dommage, bon, à finir la run tranquille, on n'avait rien d'autre à faire avec lui de toute façon, donc voilà, on va juste finir pépère. Enfin, quand même se dépêcher pour enchaîner, mais. Dit-il en poussant un coffre à la vitesse de la lumière. Putain, avec cricket scène. On doit pas avoir de mal à la terminer. On va la récupérer un peu tous les trucs qui traînent partout là. Il y a des sacs qu'il faut que je refasse. Parce que les ennemis étaient invincibles, donc ils sont pas morts, donc la salle était pas validée. Ça marche, pas de soucis, je refais la salle. J'accepte. Oh là là, et en plus c'était la salle full coffre. Et là il meurt parce qu'il bourre comme un connard alors qu'en fait il y a plus besoin d'aller vite. Non mais il y a des cœurs noirs. Enfin, il y a au moins un cœur noir quelque part. Et peut-être des bleus aussi mais je sais pas où ils sont. Je dirais au moins un rocher marqué qui a pété dans cet étage, non? Vu que j'ai fait toutes les salles. Souvenez-vous. Là on était passé, il y avait R. Là il y a bien... Il y a des cœurs bleus là. Il y en a un. Télépills. Technologie. Bah non du coup. Du coup technologie non. On veut garder nos larmes lacryphagie machin, là ça marchera plus avec technologie ça. Cœur noir, enfin bombe. Clé, cœur noir. Oh bah oui là il y avait un meilleur truc aussi c'est vrai. Putain je suis un peu déçu en vrai. Parce que la run n'était pas dégueu. Le de cœur c'est nul avec vous baby. Vu qu'on n'a pas de cœur. La mort. One make you small encore et toujours. Pretty fly, très bien. Bon on a les 3 orbitaux. Enfin, il y en a un qui nous protège pas, mais... Suicide King. Une chance sur deux avec Guppy Scholar, c'est parti. Ok. Non, je peux la garder parce qu'à tout moment, je fais n'importe quoi et je l'active. Ok. Ouais, est-ce qu'on se fait hush quand même? Low shop vite fait. Est-ce qu'on sait pas hush quand même? Non hush en vrai c'est chiant. C'est clairement chiant comme boss. Ah bah grid. Ah bah plus. Petit backup. Hop, hop. Parfait. Allez mom, bonjour. On a mom avec tous les orbitaux que j'ai, elle va prendre la sauce un peu. On va pas refaire les salles chiantes. On récupère la clé là, je sais pas pourquoi je l'ai pas prise, hop. On va bomber ça. D'accord. Les bombes laissent du creep.
Ah mais si le boss rush mais... C'est où le boss rush ma méga? C'est bon en fait. J'avais oublié. Non c'est bon en fait, c'est bon. Imaginez j'avais reset. C'est bon en fait, ma méga c'est où le boss rush, j'avais complètement zappé. Donc on aurait pu ne pas se presser depuis 4 étages en fait. Tous les autres étages on aurait pu les faire sans se presser. J'aurais eu beaucoup plus d'HP. J'ai oublié cet effet secondaire. Parfait. Alors ça c'est nul, mais alors Pop, qu'est-ce qu'on en pense? Parce que Pop, ça fait que nos lames, elles restent sur place, elles rebondissent entre elles, mais avec la cliffagie, ça va faire quoi? Ah, elles se cumulent entre elles, ça marche pas du coup. Ah si, parce que je peux mettre... Ah ouais, c'est weird. C'est un peu weird. Enfin, par contre, c'est qui fait ça là? Tu peux arrêter? Alors ça fait des petits tic 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 satisfaisants. Tic 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 ASMR là. C'est le thème de l'ASMR celui-là. Hein. Alors, le problème c'est que c'est voilà, je mets des larmes partout, c'est super, mais ça fait pas de dégâts. Merde. Et j'ai pas non plus énormément de cœur. Et en plus je me laisse bourrer. Non, pas... Attendez, attendez. Pop, c'était vraiment de la merde. C'était le pire choix. Parce que là, j'ai mes larmes partout. C'est bien mignon, mais. Mais c'est pas très efficace. J'arrive pas à tirer sur l'ennemi, du coup. C'est qui de l'autre côté? C'est quoi? Ah, mais c'est Pestilence, d'accord. Oui c'est bien, j'ai... oui d'accord mais... Enfin non c'est pas bien en fait. En fait c'est la pire synergie du monde. Ok. On va voir, je devrais le faire. Hein. Okay. Ma manga ça ouvre le boss rush en fait, j'avais oublié. Du coup voilà. C'est pour ça que je suis dans le boss rush. Du coup, ça veut dire que depuis que j'ai ma méga, on aurait pu ne pas se presser. Mais j'avais oublié cet effet secondaire. Il y a un cœur bleu là. Okay. C'est vraiment chiant. C'est vraiment la pire synergie possible, je pense. Voilà. Ok. On va se battre à la dague hein, parce que là mes larmes elles sont c'est vraiment cataclysmique. Non mais en plus, surtout pour Carrion Queen là, mais putain mais c'est l'enfer. Je peux pas attaquer en fait. Mes larmes ne touchent jamais les ennemis. J'ai mis des bombes, ouais c'est vrai. Bien vu. Ouais, du coup je pense que le call c'était la mitre à l'Angel Room. Parce que là du coup tous les cœurs rouges qui vont spawn pendant le boss rush, bah ils vont être bleus, enfin ils vont être rouges. Alors qu'avec la mitre ils auraient pu être bleus. Parce que le vol on l'a obtenu plus tard, bon ça je peux pas le savoir mais bon. Les yeux, ça qui fait le grésillement, ouais. Les yeux, c'est Pop en fait. Ça fait que normalement, mes larmes, quand elles. Merde, quand elles partent, elles restent sur place au lieu de tomber par terre à la fin. Et après, elles se cognent entre elles un peu comme des boules de billard. Sauf que là, avec la cryphagie, du coup, c'est full nul. J'ai l'impression de pas pouvoir attaquer en fait. Et c'est ça qui fait les tac-tac-tac ASMR. Ouais. Ok. Bon, bon. Comme des boules de billard qui se percutent en fait. Attention, plutôt immonde.
Bah écoute, il va falloir subir ça jusqu'à la fin de la run parce que du coup, vu que j'ai l'acryphagie, quand il y a plusieurs larmes qui se mettent entre elles, ça fait une grosse boule qu'il faut en plein de petites boules qu'il y a sur place et qui peuvent à leur tour se multiplier entre elles. Donc en fait, c'est ça le problème. C'est-à-dire que là, voilà, j'ai des larmes partout, mais en fait, il n'y en a aucune qui arrive sur le boss. Donc bon. Alors quand il saute dans mes larmes, il prend les dégâts, mais. Mais c'est tout quoi. Il y a lui. C'est qui de l'autre côté? Ah, c'est un Dingle. On va peut-être tuer Dingle tout de suite. Voilà. Ok. Au secours. Prochain DVD, oui, d'accord, mais il faudrait que je réussisse le boss rush déjà. Alors, l'ange, par contre. Ouais, mais là, du coup, l'autre, il va. Il va se diviser à l'infini parce qu'il va rentrer dans toutes mes boules là. Il tire où? Ok, il tire là. Ça, c'est mes boules. Merde. C'est un peu con ça. Steven et qui? C'est qui l'autre? Ok, Widow. Raté, dommage. Paf, la bombe. C'est Blood ça? Non, c'est Pipe. Qu'est-ce que... Ah bah bravo, il est mort. Je sais pas ce qu'il a fait, mais il est mort. Bravo, bravo à lui. Allez! Ah, mais je mets aucune larme. Oh, putain, mais toi par contre, faut que tu meurs vraiment. Je suis bien content d'avoir le vol par contre, parce que les pics, là, sinon je les aurais pris 400 fois. Alors qu'il ne meurt jamais, enfin si c'est bon. C'est quoi la suite? Forsaken en prio. Ah quoi que Little Brimstone. Non mais en vrai, Little Horn il va jamais réussir à me toucher avec ses boules là, elles vont rentrer dans mes boules. Nos boules vont s'entrechoquer. Faut quand même être attentif mais. Paf. C'est où que ça se passe? Où sont les ennemis? Il y en a un là. Et l'autre là, il est où? Je sais pas où il est, mais en tout cas, voilà, super. Ensuite. Bah, plus. C'est où, Connorman? Ah, mais voilà, voilà, mais je peux pas lui tirer dessus. Ok. Mégapathie et quoi d'autre? C'est quoi l'autre? Je suis inquiet. Ah mais c'est un mec en haut, d'accord. Ah mais c'est trop loin pour lui mettre la dague, au secours. Je sais pas lequel je préfère tuer. Et donc beaucoup de pèves. Oh, putain. Ok bah c'est bon, j'ai tué lui. Oui, 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 oui. 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 Non, oh, wow, wow, oui. Okay. Putain mais je peux pas lui tirer dessus parce que mes larmes elles se... En fait j'arrive pas à savoir si c'est bien ou si c'est de la merde. C'est très frustrant à jouer mais j'ai l'impression que c'est quand même efficace. Monstre 2 tout de suite. Monstre 2 l'a pris. Mais j'ai deux sauteurs là. Enfin Monstre 2 il peut tuer son pote. Enfin, il peut tuer le Blastocyte avec ses Brimstone. Mais en même temps, c'est un peu angoissant de savoir qu'il saute partout. Tout le monde saute partout. Au secours. Je suis angoissé là. Hein. Alors, je les ai bait dans les pics, ça c'était du génie. C'est pas vraiment voulu, mais. Ok, Blastocyte est mort. On a juste le monstro là. En 1v1 contre monstro 2, je devrais le faire quand même. Bah, si j'arrive à le toucher. Ok, c'est bon. Ensuite, on a toujours pas eu Bloat. Ah, mais c'est fini! Oh, Cricket's Body. Oh, mais alors là, qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est du splash damage, mais alors. Ah oui, donc là, j'en fais vraiment 800.
Bon, et ben on verra. En tout cas, le boss rush est réussi. Contre toute attente. Contre toute attente, le boss rush est réussi. Ok. On voit rien. Ouais, ce build est étrange, hein. Je génère tellement de larmes. Ouais, parce qu'il y a du splash. Il y en a 8. Il y en a 800. Je ne tire plus, je dépose des larmes partout. En plus, c'est spectral. Je vois rien. Je vois rien, il y a mes larmes partout. Bah, super. Tac, 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 tac. Tac, 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 tac. Je vais mettre ça en titre de VOD YouTube. Faudra aller jusqu'à là pour comprendre. Oui, oui, le splash damage, c'était vraiment l'enfer. Ouais, ouais, d'accord, ouais. En vrai, c'est presque dommage que ce soit spectral. Parce que... si c'était pas spectral, je pourrais tirer dans les murs. Pour en générer plein. Tac, 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 tac. Tac, 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 tac. Même quand je tire pas, ça fait ça. Parce que là, si je tire juste une larme, qu'est-ce qu'elle fait? Ah oui, d'accord. Et si j'en mets deux? C'est la même chose, d'accord. Et si j'en mets plein jusqu'à ce qu'elle explose? Ça explose en ça. Et là, ensuite, mes larmes que je tire sont... sont impactées par ça, d'accord, ok. Non, mais là, vous savez ce qui serait vraiment incroyable, encore... C'est de la cadence de tir en fait. Imaginez que je passe à 1 de tir là ou à même 5 de tir. Alors là par contre j'ai plus d'HP. Hein. Death. Qu'est-ce qu'on me propose? C'est quoi ça le 2? Bah, le 2 c'est pas mal non? C'est le D20. Donc ça reroll tous les consommables de la pièce. Donc, on va espérer qu'il y ait des trucs dans ces caca. Non. Oh! Ça arrive le coffre en cœur bleu. Worse. Tellement worse. Alors là, par contre, c'est chiant. Ok. Bon, ça va, finalement, c'était pas si chiant. Au secours. Oh putain, il y a des lasers. Ok. Je me suis infligé une Curse of the Maze, donc c'est pas si grave, mais... Alors là, du coup, c'est bien l'angoisse, là. Spawner, n'hésitez pas à spawner. Peu importe où, c'est la merde pour vous. Ouais, à mon avis, c'est loose, là. Oh, putain, l'orbital qui me sauve. L'orbital qui me sauve. Le boss est là. J'espère que ça peut être un boss de ses morts. Toi aussi, t'as des frises quand tu quittes une salle et que t'as trop rempli de larmes? Non, je crois pas. Oh putain, et là je mourrais par ma propre bombe, alors ça. Oh putain, oh putain, non, 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 ça a tout fait péter. Au secours, non, 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 non. Non, 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 non. Pitié. Ça, c'est de la merde. J'ai si peur. Non, 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 mais c'est vraiment de la... Non, non, ah. Au secours. Mais c'est de la merde, tout ça, là. Au revoir. Ah, c'était un sacré stream en tout cas. Hein. Mais je l'ai pas vu.
Je l'ai pas vu le petit feu, il était petit. Il était petit le feu. Non mais c'était une expérience. Non mais au moins le boss rush est validé. Oh, j'avoue que j'assume pas trop. Non mais en vrai, je serais sûrement jamais arrivé au bout. Et le Cuppy Scolar qui s'est pas activé, c'était 50-50 de régène quand même, hein. C'était 50-50 de revivre. C'est très décevant. Bon, en tout cas, YouTube, j'espère que t'as apprécié cette VOD de type ASMR. C'était un build un peu original, mais on s'en est sorti. Enfin, non, on s'en est pas sorti, mais parce que je suis un con. Bon, en tout cas, le boss rush est validé. Le boss rush est validé, et ça, c'est cool. À plus.